Alors voilà, je vous avais dit que je le ferais. Voilà. Je vais mettre ça sur le t-shirt. On va le faire bouillir. Hein. Bon, vous avez vu, mon t-shirt c'est un vieux, hein, pour travailler, il y a des trous dedans, il est un peu sale. Je vais pas cacher un t-shirt chaque fois que je fais une vidéo. Le gâchis ne sert à rien. Donc je vais faire le t-shirt. En attendant. Je vous fais voir que le goût. Je m'écarte pour la buée sur l'écran. Le bout, je le laisse un peu. Voilà. J'arrive un peu. Donc. Voilà. C'est mon t-shirt, ça va être bon. Alors, en plus, je prends des risques parce que d'un moment, il faut attendre 2 jours avant que là où ça stabilise un t-shirt bien sèche. Là, on va pas attendre. On va attendre parce que le soleil nous attend déjà. Alors voilà. On vient là. Vous voyez la couleur. Très bien. La comparaison après. La couleur. Voilà. Bon, on va le faire mouiller. C'est parti. Alors, c'est pas de brûler. Je me tourne, c'est celui-là, hein. Je ne triche pas, attention. Hein. Là, vous le voyez, je laisse tomber. Ok, il n'y a aucun montage, aucun trucage. Je prends une fourchette. Oui, il est toujours là. Je me dis, c'est pas grave, il a changé, autant qu'il prenne sa fourchette. Nanana. On est là. Voilà. On est là. Ok. Là, c'est pas brûlé, le t-shirt. Voilà, il est bon, vous voyez, c'est ça boue, hein. Voilà, oh, ça boue. Vous avez vu, je vais vous faire les MFAO encore. Oui, les MFAO c'est exclusif, hein, profitez-en, je ne sais pas ce que vous attendez, ils sont en concert bientôt. Ah putain, je n'ai pas trouvé de t-shirt, si, nous on en a des t-shirts, on en a, les MFAO c'est exclusif, on a des t-shirts, Shop, Lily Pops, Prince Minister. Voilà, ça bouge toujours, hein. On ne sait toujours pas, la fourchette. Ici. Je ne sais pas piquer dedans, parce que vous allez me dire, oh, il est fait là. Non, c'est sur la fourchette. Le buée. Excusez-moi, j'ai su la buée. On ira ok. Ceci est un lavabo. Je vais chercher mon t-shirt. Ça va durer 3 minutes, je vois. Ça va faire. Donc voilà. Ça fait un mauvais ordre. C'est chaud, mais bon, là, vous voyez. Ça fume, hein. Mais ok. Ok, ça fume. Sur mon t-shirt, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage. Voilà, je vais reposer ma casserole. Oh, mais il triche quand je pose sa casserole et tout. Machin, non, non. Non, je triche pas. Regardez comment ça fume. Ok, c'est chaud. C'est très chaud. Ben, 100 degrés en fait, hein. Alors voilà, déjà dans un premier temps. On va cramer. Ça fume toujours autant, hein. Il n'y a pas de truc, non, il n'y a rien autour. Ouais, mais il y a un truc qui vaut de la fumée. Non, 100 degrés, ça chauffe, ça brûle. Donc voilà. Je sais l'état du pain, mais donc voilà, vous constatez, elle est toujours là, quoi. Elle n'a pas bougé, il est pas au lavage. Sans déconner le gars, l'ami, il est sympa, putain. Alors, écoute, je pourrais le choper, je vais chercher quelque chose. Il y a un gant par ici. Yes. Oh, excusez-moi, c'est pure improvisation, hein. Mais il fallait que je vous montre, je vous l'avais dit de façon. Donc voilà, je vais choper mon gant de. Je vais changer de main. Je vais choper mon gant pour le four. Pour me protéger quelques instants. Bon, je ne sais pas peut-être pas partout non plus. Voilà. Attention, c'est bon, c'est pas. Donc voilà, je vais vous l'amener au soleil. Voilà, tu n'as pas triché. Son t-shirt fume toujours. Vous voyez, bon, ça coule par terre, tant pis, il fume, hein, il fume, il fume, il fume, il fume.
Et ça peut éliminer. Attention au prix, quand même. Voilà. Donc voilà. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez du début. Alors, les traits brûlés, c'est d'origine. Hein. Il y a un défaut dans l'imprimante. Voilà. Alors voilà. Il n'a pas bougé. J'ai envie de dire même, la couleur s'est fixée, même, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a toujours les yeux aussi bleus, toujours le cœur. Ah, mais ça déteint pas au lavage alors. Mais qui vous a dit ça? C'est une mauvaise légende des sérigraphes qui va dire non, achetez pas ça, c'est de la merde, la sérigraphie c'est mieux. C'est pareil. Et en plus, nous c'est stretch, tu peux tirer dessus autant que tu veux. Là, je sais pas ce que je vais me brûler, donc j'attends encore un petit peu. Et après, je vais tirer dessus. Hein. Pour les mauvaises langues, ouais, ça craque, ça déteint au lavage. Ça ne craque pas, ça ne déteint pas au lavage. 100 degrés, je vous le rappelle. Hein. Je pense que je peux le toucher. Mais... Alors, comment je vais mettre pour la caméra? Je vais la poser là. Je pose la caméra là. Je ne sais pas si on va me voir. Ouais, c'est comme ça. Ouais, je peux pas faire mieux. Je n'ai pas de pied. Alors, on va faire comme ça. On va essayer. Alors, regardez bien. Vous voyez là? C'est toujours le même. On est d'accord avec les trous dedans, machin. Là, il a refroidi. 42 heures encore. Alors, regardez. Oh le ouf, comment je tire dessus. J'essaie de le faire craquer pour vous faire voir que je tire vraiment dessus. Mais c'est pas cette patate. Ah, c'est le téléphone seul. Attendez. Je pars ici. Regardez. Il est toujours live, you know. Il a craqué, il a bougé, il a fait quelque chose. Mais non, il a rien fait du tout.